tiens la figure oui. d'un vieux copain. Ben moi, je fais de temps en temps les formations en réserve pour l'animateur avec Patrick. Voilà. You also make decisions. Okay, you see. But it doesn't matter. That's fine. Voilà, on reprend, venez, et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a des problèmes un peu. That's far easier. I think we have kind of similar challenges in several places. Et sans tarder, nous. Nous accueillons le docteur ou la doctoresse, comme on dit en Helvétie, Amanda Stafford, qui nous vient de loin. C'est probablement elle qui vient du plus loin, puisqu'elle vient de l'Australie. Pardon. Et puis elle va aussi parler en français, et ça c'est encore plus formidable. Voilà. Pour nous parler de ce qui se passe en Australie, et il se passe des choses, je crois. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, je suis de l'Australie. Je suis venue principalement pour le congrès à Berlin et on m'a persuadé de rester un petit peu plus de temps, parce que c'est dur, c'est Paris, hein, pour participer à cette colloque et je suis très honorée de pouvoir partager les informations. Donc voilà, je suis une urgentiste, je travaille dans une CHU en centre-ville à Perth, c'est sur le côte ouest, le plus loin de Sydney possible. J'en connais mieux Sydney que Perth. Je vais juste voir. Et pour, au début, je vais juste remercier tout le monde parce que c'est l'expérience, le travail qui a été fait en France qui m'a informée, qui m'a inspirée aussi. Donc sans ça, je n'aurais jamais entamé cette voyage. Pour situer l'Australie vis-à-vis d'autres pays pour le niveau d'alcoolodépendance, on voit que l'Australie, on n'est pas très gagnant là, parce qu'en comparaison avec la France, on n'a que 1,5% de nos populations qui est alcoolodépendant. Mais j'ai mis quelques chiffres d'autres pays pour voir que nous sommes tous les deux un peu faiblards, parce que voir la Russie en bas, le pourcentage alcoolodépendant, ça c'est pas juste problème avec l'alcool, si je rappelle bien, en Russie, c'est pour les hommes, c'est autour de 35%. Qui ont des problèmes d'alcool. Donc, malgré ça, on a un gros problème avec l'alcool en Australie. Je vais faire un petit voyage dans le temps d'une baclofile australienne. Je suis australienne. J'ai fait mes études de médecine à cet hôpital, c'est le Royal Perth Hospital. Après mes études, j'ai décidé que je vais voyager un peu, vivre à l'étranger. J'ai fait 5 ans à l'université d'Oxford à faire une thèse sur la biologie moléculaire. Et après, je me suis dit, je peux peut-être travailler en France. Donc, j'ai fait un stage postdoctoral à l'Institut Pasteur à Paris pendant 4 ans. Après ça, je me suis dit, il faut peut-être rentrer, faire un peu plus de médecine, parce que j'étais un jeune médecin encore. Donc, en arrivant là, a priori, j'aurais dû faire quelque chose sur la biologie moléculaire, mais en fait, je suis mise sur les urgences, parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai fait les 5 ans de formation de devenir spécialiste aux urgences et ça fait maintenant environ 10 ans que je travaille aux urgences de Royal Perth comme spécialiste. Et au fil des années, j'ai commencé à m'intéresser dans les cas difficiles, les gens complexes et en particulier les gens qui revenaient tout le temps aux urgences. Donc, c'est un peu comme pour les compagnies aériennes, on a les clubs de fidèles aux urgences. Et on a des gens qui sont vraiment très, très fidèles. Et ça m'intéressait, j'ai vu ça comme un peu un échec. Pourquoi ils venaient aussi souvent? Et pour moi, c'est qu'on n'a pas fait nos boulots. Comment on peut les aider à ne pas plus avoir besoin de venir aux urgences? J'ai commencé à traquer ces gens systématiquement. Et quand j'ai regardé, c'est clair qu'en tête, pour les raisons pourquoi ils sont venus aussi souvent, c'est les alcoolodépendants. En deuxième position, c'était les sans-abri. Et souvent, les gens avaient les deux. Et une fois qu'on est à la fois alcoolodépendant et sans-abri, c'est très difficile de sortir de là. Donc moi, j'ai mis sur ça, donc en ce moment je travaille mi-temps dans les urgences
proprement dit, et je travaille l'autre mi-temps sur deux projets de, pour les patients, un sur l'alcoolodépendance et l'autre c'est sur les sans-abri pour avoir les meilleurs moyens de les aider. Et quand j'ai vu qu'on avait un tel problème avec les alcools, ça c'est, je ne connais pas ces messieurs, mais il est assez typique hein, des gens qu'on voit. J'ai fait un petit peu de recherche pour voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, parce que les malades ou les patients qu'on voit aux urgences ont déjà tout essayé. Quand ils sont venus nous voir, ils ont essayé tous les médicaments disponibles. Et souvent, ils ont passé par plusieurs cures de sévrage, les périodes en réadaptation, et ils avaient tout essayé. Et j'ai réalisé qu'on n'avait rien d'autre. On ne pouvait pas proposer autre chose parce qu'on n'avait rien d'autre. J'ai fait un petit peu de recherche pour voir s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu avant. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai mis ça un petit peu à côté parce que je ne trouvais pas grand-chose. Et quand j'étais en train de rechercher un cas d'un autre patient qui était accro à un opiacé très spécialisé, il s'appelle le fentanyl, et elle était vraiment accro, je ne savais pas si c'était quelque chose assez répandu. Donc, j'ai cherché ça et j'ai trouvé cette site, internet, drugsforum.com, qui est fascinant. Je vous le conseille. C'est un forum de gens, un public, et ça discute tous sur les drogues. Comment les prendre pour avoir plus de euphorie, comment les mélanger, comment décrocher. C'est vraiment intéressant. Et là, j'ai trouvé la réponse à ma question, mais je me suis dit, ça c'est formidable. J'ai jamais vu une base de données des patients aussi grande, et j'ai cherché dans les parties alcool. Et là, j'ai trouvé baclofène. J'ai trouvé les récits des gens qui décrivaient leur expérience sous le baclofène, et c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Les gens parlent de comment ils étaient calmes, qu'ils n'avaient plus d'envie de boire de l'alcool. Donc j'ai fait de la recherche, je suis retournée pour voir qu'il y avait des études, et l'étude qui m'a plus impressionnée, c'était ça. C'est ça qui m'a décidé professeur de Beaurepaire. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la période longue d'observation et le taux de réussite. Donc, je me disais, ça y est, j'ai trouvé le clé magique pour ça. Donc, je vais aller voir les services publics d'addictologie de Perth. Ils ont dit non. Ça ne les intéressait pas. Et en fait, je n'étais pas très étonnée parce que, ayant lu l'expérience en France, je me suis dit, c'est juste pareil là-bas, ici, c'est la même chose. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je me fais inspirer par ces messieurs. Et la raison est simple. Renaud de Beaurepaire n'est pas un addictologue. Moi, je ne suis pas un addictologue non plus, mais lui, il a dit qu'il y a un gros problème. J'ai quelque chose qui peut aider les gens. Il faut lancer. Et moi, je me suis dit, si lui, il peut le faire, moi aussi. Donc, j'ai commencé à traiter les gens. Et ça a commencé. Donc, j'étais déterminée et j'ai commencé à traiter les gens. C'était décembre 2013. Et en fait, j'ai décroché le téléphone. Pour téléphoner à une patiente que j'ai vue depuis peut-être 7 ou 8 ans, je l'ai vue souvent, elle était toujours ivre, je ne l'ai jamais vue sans être ivre. Elle venait plusieurs fois, elle avait le même âge que moi. Donc j'ai décroché le téléphone un matin et je dis bonjour Julie, on se connaissait aussi bien pour être au prénom. C'est le docteur Stafford à l'appareil. Oui, je suis l'urgentiste. Oui, grande. Oui, avec les lunettes, les cheveux roux. Oui, c'est moi. Vous savez, il y a un traitement que j'ai trouvé qui est peut-être intéressant pour vous. Est-ce que vous voulez venir me voir pour en discuter? Elle dit, oui, pourquoi pas. Et donc, ça a commencé là. Pendant les premiers 6 mois, j'ai traité que 3 patients parce qu'il fallait que j'apprenne à utiliser le baclofène, et donc c'est vraiment les patients qui m'ont appris ça. La deuxième partie de 2014, j'ai accéléré un peu le nombre de patients. Et en 2015, j'ai traité une cinquantaine de patients, et cette année, c'est autour de 25, je n'ai pas bien compté. Mais je traite pas mal des gens.
Et je vais vous donner mes données. Ce sont mes résultats. Ben, ils étaient calculés pour quelque chose d'autre le 1er juillet cette année. Et voilà, je tombe sur les normes. J'ai réussi avec entre 60 et 70% des patients. J'ai quelques autres qui sont beaucoup mieux, mais soit ils ont des récidives de temps en temps, ou qui boivent moins, mais ce n'est pas dans les normes de bas risque. Et donc ça, c'est une 15 de ça. Et le TFMET, c'est que les gens se sont soignés pour l'accrochage à l'alcool, mais ils sont transférés vers la méthamphétamine. Et je vais parler un peu de ça plus tard. Donc, c'est ça la clinique que j'ai, qui s'appelle officiellement le Baclofen Treatment Program. Mais en fait, c'est juste moi qui vois les gens. C'est pour avoir tous les trucs administratifs à l'hôpital. Mais j'ai à peu près un nouveau patient par semaine, mais je reçois aussi les gens après un sévrage. Et je vois environ de 13 patients par semaine, et ça me prend environ de 7 heures par semaine. Et je disperse mes rendez-vous partout dans la semaine, et ça m'arrange parce que j'ai plein d'autres projets à faire. Et ça arrange les patients aussi parce que j'ai beaucoup de gens qui travaillent. Ils vont pas. Je préfère qu'ils travaillent et viennent me voir à l'heure du déjeuner ou après le travail. Baclofen dans la main d'une urgentiste comme moi, ben, il y a quelques différences bien sûr. Donc ça commence souvent avec moi avec un sévrage. Et ça, c'est parce que, comme urgentiste, je récupère les gens qui sont déjà en sévrage aigu, qui sont malades ou blessés. Donc, ce n'est pas possible de demander à ces gens de se rendre chez eux, continuer à boire quelques jours de plus et revenir me voir. Et aussi les gens qui sont atteints des maladies où il ne faut absolument pas qu'ils boivent. Par exemple, ils ont une pancréatite aiguë et il ne faut pas qu'ils boivent encore. Donc, je commence souvent avec un sévrage. Le sévrage, en fait, je fais avec le baclofen et j'ai regardé un peu dans la littérature et j'ai lu l'étude d'Aldorato où il est comparé le baclofen avec le diazepam et ça marche et ça part. Le baclofen ne marche pas aussi rapidement, mais c'était assez équivalent. Mais en fait, il y a une autre étude qui a vraiment pris mon attention et c'est cette étude-là. De l'ANC. C'est une très jolie étude. Ne regarde pas. En fait, je vais faire ça pour que vous fassiez attention à ce que je dise. Merci. Et c'est qu'ils ont pris deux groupes des gens qui étaient en sévrage aigu. Ils ont divisé en deux, placebo ou baclofen, juste 10 mg trois fois par jour. Et ils ont observé pendant 5 jours et ils ont pris comme mesure de succès le montant ou la quantité de lorazepam dont ils ont besoin pour calmer le sévrage. Donc c'est vraiment un truc de voir si le baclofen améliorait ou changeait pas en fait le sévrage. Et donc les chiffres sont on a les deux courbes là. Donc les courbes qui montent, ça c'est un sévrage absolument classique où les gens ont besoin de doses qui continuent pendant quelques jours. Donc en bas, en fait, je vais essayer de faire marcher ça. En bas là, ce ne sont pas les journées entières, c'est les tranches de 8 heures. Désolée si je rends les gens aveugles avec ça. Donc ça, c'est premier jour, deuxième, 6, troisième, quatrième, cinquième. Donc on voit que le COB, c'est la quantité cumulative de lorazepam, ça monte, et jour 4, ils n'ont pas besoin de plus, donc le COB se stabilise. Mais le groupe traité avec le baclofen était vraiment différent. Premièrement, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup, beaucoup moins de lorazepam que le groupe traité avec placebo. Et l'autre chose, c'est que le corps s'aplatit beaucoup plus rapidement. Et donc là, on est à 2 jours, à 3 jours. Effectivement, ils n'ont plus besoin de lorazepam.
Et quand j'ai commencé à utiliser ça, c'est exactement ce qui se passe chez les patients. Ils ont un sévrage qui est vraiment beaucoup plus doux et j'ai beaucoup de gens qui ont la possibilité de comparer sans et avec baclofène par le passé. Normalement, le deuxième jour, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens pas mal hein, ce matin. Normalement, vraiment, c'est horrible, mais là, je ne suis pas super, mais c'est pas mal. Et donc c'est assez facile pour eux et c'est vraiment une toute petite différence. J'essaie de persuader les autres gens à perte de l'utiliser aussi avec pas mal de succès. C'est un peu long, mais ça arrive. Donc moi aussi, en urgentiste, j'ai plus d'accès au lit. Je fais les sévrages en 2-3 jours avec le baclofène parce que vraiment, à bout de 2 jours, 2 jours et demi, les gens sont, je parle là parce que... c'est bien, hein, je n'ai plus besoin de prendre le diazepam dans un cas, je suis bien là. Donc ça fait beaucoup plus rapidement. Et si les gens ont des rechutes, je peux les mettre dans le service d'observation aux urgences pendant 1 ou 2 jours. Ça ne prend pas longtemps. Et j'ai fait quelques fois et je travaille avec le malade pour savoir comment il peut gérer ses récidives toute seule parce qu'avec le baclofène c'est beaucoup plus facile. J'ai aussi plus d'accès que d'autres liés en service de psychiatrie parce qu'on a des bons psychiatres qui sont dans notre urgence et ça c'est important parce que je vois souvent les gens qui arrivent comme ils sont des épaves, ils sont vraiment complètement détruits et on ne peut pas les sortir rapidement. Donc les gens comme ça sont mis en service de psychiatrie pendant une période pour le soigner. Et on continue le baclofène. Donc le schéma thérapeutique que j'utilise, c'est qu'au début, la moitié de mes malades arrivent, je commence avec, ça marche pas, avec une sévrage. L'autre moitié commence tout à fait classique, un mécène, et vient me voir en ambulatoire, tout est fait en ambulatoire. Et ces deux manières, en fait, juste d'arriver à cette seuil où l'efficacité commence à 30 mg par jour, et j'ai fait une augmentation classique, et la posologie et dose sont individualisées, ainsi que d'autres formes de soutien individuel. Je vais parler un tout petit peu de ça, parce que c'est vrai que quand on utilise le baclofène, on voit que de supprimer les envies de boire, c'est la partie simple en fait de ce traitement. La partie la plus difficile, c'est que quand baclofène marche toujours, on trouve derrière ça, Il y a toujours beaucoup de problèmes qui sont venus. Ça peut être les problèmes avec les familles, le travail, avec un tas de choses. Donc, c'est une grosse merde. C'est facile pour moi de dire ça parce que je ne suis pas française. Donc, c'est une grosse merde. Donc, ce qu'on essaie de faire avec un soutien individualisé, parce qu'il y a les gens, par exemple, qui sont angoissés depuis leur petite enfance. Pour là, il faut un traitement pour l'angoisse. Mais d'autres, par exemple, qui ont commencé à boire... Après le décès de quelqu'un comme un enfant, comme un époux, d'autres qui ont fait un service militaire et suite à un PTSD, ils commencent à boire. Donc il y a des différentes raisons pourquoi les gens boivent et les soutiens adaptés. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Donc ça, c'est une tasse de... Ce sont les bousses de vache qui sont très, très bien arrangées. Et parfois, c'est ça qu'on réussit à faire. Les problèmes sont encore là, mais ils sont bien arrangés. Ils sont pas très embêtants, en fait. Mais ce qu'on veut, en fait, plus que ça, le meilleur résultat est ça. On a quelques petites crottes qui traînent, mais en fait, rien en béton. Parce que le problème là, c'est quand on enlève l'alcool, parfois on trouve quelqu'un qui a vraiment trop de douleurs psychiques pour supporter la vie sans alcool. Et parfois, ça ne vaut pas la peine de sortir de l'alcoolodépendance. Et j'ai trouvé qu'il y a deux choses absolument primordiales pour soutenir les gens, et ça résume vraiment à deux choses. Le premier, c'est les gens autour. Le contact humain n'est pas seulement épanouissant, mais c'est essentiel pour la vie. Si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine. Et ça peut être une personne seulement qui est sympa, qui parle avec eux, avec qui ils ont une complicité. Ça peut être toute une communauté.
L'autre chose aussi importante, c'est quelque chose à faire, quelque chose utile à faire. Et pour les gens qui ne sont pas complètement détruits, ça, c'est souvent un travail. Pour d'autres qui ne sont pas capables de ça, c'est par exemple de faire partie d'un projet. Ça, c'est de construire un bateau. On a des jeunes, on a des vieilles hommes là, mais d'avoir quelque chose qui amène à quelque chose. Non, ça, c'est pas très bon, ça. Et pour les gens qui sont vraiment détruits par la vie, je trouve que souvent, pour eux, d'aider les autres qui sont en difficulté, ça les aide beaucoup, ça donne beaucoup pour l'estime de soi, de pouvoir aider les autres. Donc, en fait, pour traiter les gens qui sont assez simples, c'est facile. Et c'est là, en fait, le vrai travail. Et en fait, ça colle très bien avec le projet Blue Button, c'est d'associer le traitement avec le baclofène, avec le soutien personnalisé. Donc, voilà. Après Berlin, il faut réfléchir où on va maintenant. Voilà. Donc, mes objectifs pour le baclofène en Australie, c'est qu'il soit connu et disponible. Quand j'ai commencé à dire connu par qui, j'ai fini par, j'ai regardé, j'ai dit ça, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde est touché par le problème d'alcool. Et pour ça, j'ai fait un petit peu à la mécène. Je vais faire bientôt, dans quelques semaines, un article sur le West Australian. C'est l'équivalent de Le Monde, par exemple, Perth. Pas exactement, mais c'est lu par tout le monde. Donc, je vais faire diffusion grand public en faisant un article. Il y aura moi, il y aura Royal Perth, mais très important, il y aura des malades, les gens qui sont soignés par le baclofène, qui vont parler de leur expérience. Et la chose qui doit être absolument derrière ça, c'est les informations. Donc, j'ai créé un site web qui s'appelle baclofentreatment.com. On n'a pas quelques petites minutes, mais c'est un site en anglais, bien sûr, mais j'ai lancé plein d'informations sur le baclofène, les traitements, les protocoles, les controversées, comment c'était découvert, etc. L'idée, c'est d'avoir quelque chose vraiment derrière, parce que ça ne sert à rien de parler au grand public, aux généralistes, si après, il dit, oui, c'est bien, mais je fais comment exactement. Donc là, c'est déjà créé depuis 2 ou 3 mois. Pour que le baclofène soit disponible, il faut plus de prescripteurs de baclofène. Et là, je cible complètement les généralistes. En fait, c'est assez pareil maintenant en France, mais en Australie, l'accès aux spécialistes passe uniquement par les généralistes. Et l'avantage sont multiples. Premièrement, si on veut être exposé au maximum nombre de patients, c'est les généralistes. Ce sont les généralistes qui voient tout. Et aussi très important, c'est qu'il faut voir les gens le plus tôt possible dans l'histoire naturelle de l'alcoolodépendance, parce que ça ne sert à rien, par exemple, que je vais aller parler avec les gens en réanimation, soins intensifs, aux soins palliatifs de comment utiliser le baclofène. C'est trop tard. Il faut commencer tôt. Et dans ces cas-là, si on commence tôt, on va vraiment changer l'histoire pendant toute une vie. Et aussi, les généralistes ont les soins les plus compréhensifs. Et ça, c'est très important. Donc souvent, et je pense que ça doit être pareil, mais à Perth, on a, avec les spécialistes, il y a une espèce de ping-pong. Moi, je suis addictologue, je ne soigne pas les problèmes psychiatriques. C'est à vous de le faire. Et l'autre qui dit, moi, je soigne pas les addictions, c'est à vous de le faire. Et le patient est là, ping, 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 ping. Et en fait, il n'est pas soigné. Mais les généralistes gèrent tous ces problèmes. Ils peuvent demander à un spécialiste quelque chose, mais ils soignent le tête, le corps, tout ça. Donc, moi, je cible les généralistes. Pour ça, pour les généralistes, le site web est très utile. Et dans quelques semaines, je vais parler à un congrès national de généralistes qui est
Je suis chanceuse, c'est à Perth. Je vais participer le 28 dans un forum de controversé sur les traitements pour baclofène. Et je pense que je prends aussi l'exemple de professeur de Beaurepaire. Je vais faire fort là. Oui, je vais faire fort. J'essaie de convaincre les autres gens avec succès. Mais ils attendent tous, il n'y a pas les études. Et j'ai même eu une gastro-entérologue qui a dit, vous pouvez traiter quelqu'un pour moi parce qu'il a un problème d'alcool. Et je dis, je peux vous aider à le traiter vous-même. Il dit, je ne peux pas, il n'y a pas assez de preuves. Et moi bon. Et l'autre dernière chose sur ça, l'armée de salut à Perth est un peu intéressant, mais c'est la plus grande structure de soins de toxicomanes à Perth. Et ça, c'est très intéressant pour moi. Ils font des sévrages non médicalisés avec les régimes fixes de diazepam très bas. Ils ont des centres de réadaptation aussi, et je suis très content, il n'y a pas d'addictologue là-dedans. Mais par contre, les soins médicaux sont faits par très généralistes qui sont super baclo-friendly. Et donc, ce qui est bien, c'est l'armée de salut est en train de repenser, réorganiser tout le programme, parce qu'ils ont dit, en fait, nos programmes ne sont pas très bien. Et c'est rare qu'un organisme dise ça. Et donc, moi, je m'implique dans tout ça. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, depuis un an environ, j'ai parlé avec eux, avec des avantages de mettre le baclofène dans le programme. Pour le sévrage, par exemple, c'est simple. Au moment où ils font un groupe des gens par semaine, parce que ça prend un peu de temps, mais moi, j'ai dit, avec le baclofène, vous pouvez faire deux groupes de sévrage par semaine. Et ça les intéresse. Et ils vont avoir les sévrages qui est plus doux, plus court. Vous avez moins d'ennuis avec les gens qui sont obligés d'être amenés à l'hosto parce qu'ils ne sont pas capables de tenir dans ça. Donc j'espère que dans l'année qui vient, je vais avoir beaucoup plus de baclofène qui va infiltrer l'armée de salut. Dernièrement, je vais parler d'une étude que je suis en train de faire. J'ai le financement pour ça, mais je suis au stade de comité d'éthique qui, je pense, ça va être long. On a un gros problème à Perth avec le méthamphétamine. Les chiffres affolants qu'on a, c'est en Australie, les pourcentages de la population qui est dépendante sur méthamphétamine, c'est 1,25%. C'est incroyable. Et c'est une drogue qui est assez chère, mais très, très prisée. On voit les tonnes de méthamphétamine arrivent de Chine, de Birmanie, de Thaïlande, avec une pureté qui va jusqu'à 80%. Et pour donner une idée de pourquoi les gens le veulent utiliser, si on prend spécialement en intravenus, qui est très, très fréquent, une dose de méthamphétamine, ça libère le dopamine, l'hormone de plaisir dans le cerveau. Mais ça libère énormément. Et pour une idée, ça libère 6 fois la quantité de dopamine qu'un orgasme, mais ça dure entre 8 et 10 heures. Apparemment, c'est fabuleux, et si un jour je sais que je vais mourir, j'y vais. Hein? Mais le problème, c'est que ça transforme les gens. Et ça, c'est quelqu'un, en 2 ans, il s'est transformé. Et vraiment, ça c'est pas quelque chose où on dit c'est un cauchemar, on ne le voit jamais. On le voit, les gens comme ça, tous les jours aux urgences, et ça prend pas longtemps. C'est vraiment le tête de quelqu'un qui est complètement fou, parce qu'on a des problèmes, agressivité, psychose, paranoïa, il se pique la peau, et c'est vraiment atroce. Parce que l'eau est aussi, c'est très haut, mais c'est aussi très bas, et il cherche sans cesse d'en avoir plus. Donc heureusement, les autres ont préparé. Vous savez que
Ameisen savait que le baclofène marchait pour le cocaïne. Et l'étude, était très intéressante pour moi. Et en fait, quelqu'un a déjà expliqué ça, mais ça, c'est les différences entre l'activation du cerveau face à une image de cocaïne entre quelqu'un sur placebo et sur le baclofène. Mais en fait, il y a une astuce ici, c'est l'image qui était donnée du cocaïne durait une demi-seconde. C'était en fait une image subliminale. Donc la personne n'a même pas rendu compte d'avoir vu ça. Mais déjà, le cerveau de quelqu'un accro à la cocaïne, il est complètement activé pour ça. Et c'est beaucoup moins fort avec le baclofène. Donc l'étude que je vais faire, j'espère commencer début de l'année prochaine, ça va faire la même étude, mais avec les gens dépendants sur le méthamphétamine, et ça va faire autrement exactement la même chose. Et ça va être les IRM qui nous intéressent le plus. La chose que j'ai appris de parler avec les médecins, qui, y compris moi, qui traitent avec le baclofène à perte, il y en a très peu, mais il y en a, c'est que avec les gens qui sont doublement accrochés, alcool et méthamphétamine, on trouve souvent que les gens perdent leur envie d'alcool à un certain dose, mais il faut aller plus haut encore pour qu'ils décrochent de méthamphétamine. Et je pense que c'est parce que le cerveau est tellement activé au niveau dopamine qu'il faut vraiment, vraiment supprimer le mesolimbic dopaminergic pathways. Donc j'espère avoir quelques résultats l'année prochaine. Et ça, en fait, il ne reste que à vous remercier parce que, en fait, c'est la France qui m'a appris et encouragé et inspiré avec le baclofène. J'espère vous me mettre à votre service, le service des Français, pour diffuser l'information sur le baclofène dans le monde anglophone, ce que j'essaie de faire avec le site web. Mais c'est vraiment c'est un beau voyage. Merci beaucoup. Merci pour ce voyage dans aux antipodes. Et ça, je trouve que ça fait du bien de voir que le baclofène émigre.